pense que ça fonctionne. Vous m'entendez? Ah, super. Oui, je vous entends et je vous vois. Ah, super. Super, on va y arriver. J'ai rien changé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rien changé. Excusez-nous pour ce petit contretemps technique. On a tout le monde? Oui, quoi, côté bâtiment, oui. Bon, ben super. Bon, ben on va pouvoir commencer. Donc, du coup, merci aux participants et aux dirigeants de Batiprint pour être présents aujourd'hui pour nous présenter plus en détail le projet. Pour les participants, pour les WeSeeders, sachez que sur la plateforme, vous avez un espace dédié aux questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On reviendra à la fin de la présentation sur ces questions pour que les dirigeants puissent y répondre. Écoutez, on va peut-être commencer si vous souhaitez vous présenter directement, Nordine et Fanny. Alors bonjour à tous, moi je suis Fanny Buyen, je suis directrice générale de Batiprint 3D. Et Nordine Gottstahl, j'accompagne Fanny, société Champaille, conseil en levée de fonds de la société, et je remplace Eddie Zouaoui, le co-dirigeant de Batiprint, qui n'a pas pu être présent malheureusement aujourd'hui. Okay. Est-ce que vous voulez commencer? Je lance la présentation. Oui. Alors, on a une présentation, puis j'ai essayé de monter un petit film pour rendre compte du chantier qu'on a fait en octobre dernier, où on a mis en œuvre notre prototype sur chantier. Donc voilà, c'est un petit montage que j'ai fait pour illustrer ce qu'on a réalisé. Ok, super. Donc je lance la vidéo en premier. Peut-être pas, je vais peut-être expliquer comment on fonctionne, oui. Voilà, puis on passera à l'occasion. Ok, super. Vous voyez la présentation? Oui, est-ce que tout le monde la voit? J'imagine que oui, j'espère. Donc, Batiprint 3D, c'est une jeune entreprise innovante dans le secteur de la construction. Initialement, on est une spin-off de l'Université de Nantes et il y a eu un transfert technologique lié à des procédés d'impression 3D d'un matériau isolant. Alors, je vous présente en premier l'équipe Batiprint 3D qui est aujourd'hui composée d'une douzaine de personnes. Donc, Eddie et moi, qui sommes les dirigeants de l'entreprise Batiprint 3D et cofondateurs de la start-up. Et puis, on a une équipe qui est pluridisciplinaire, experte dans les procédés et les matériaux, la robotique et l'automatisme. On s'est enrichi de deux personnes expertes du numérique ces derniers temps pour développer notre solution numérique, notamment autour d'une plateforme SaaS que je vais vous présenter succinctement tout à l'heure. On a également deux personnes qui commencent à travailler sur la pré-industrialisation de notre produit et puis une jeune étudiante qu'on vient de recruter en marketing et communication pour commencer à travailler sur le côté marketing. On est en train de travailler sur le recrutement de commerciaux, notamment pour travailler avec AIDA sur ces sujets-là et bien sûr développer notre développement commercial en France puis à l'étranger ultérieurement. Donc moi personnellement, je suis issue du commissariat à l'énergie atomique, j'ai bossé 15 ans là-bas, la direction de la recherche technologique, 10 ans sur le plateau de Saclay, et puis je suis venue en 2015 sur Nantes pour monter une plateforme technologique à base de robotique et de systèmes d'imagerie pour faire du contrôle non destructif. C'est à cette occasion que j'ai rencontré les trois enseignants-chercheurs qui sont à l'origine des brevets initiaux à l'Université de Nantes et qu'on a monté avec la start-up et avec les trois enseignants-chercheurs. Voilà.
Aujourd'hui, le défi du zéro carbone d'ici à 2050, qui est un objectif de l'Union européenne, est un vrai défi pour le secteur de la construction et l'efficacité énergétique est une priorité. Aujourd'hui, les bâtiments représentent 44% de l'énergie totale consommée. Ils sont responsables de plus de 30% des effets des émissions de gaz à effet de serre. On estime aujourd'hui qu'il y a plus de 35 millions de bâtiments à rénover au travers l'Europe et qu'il faut doubler le taux de rénovation des bâtiments d'ici à 2030 pour pouvoir espérer atteindre les objectifs de la Commission européenne. Donc à gauche, j'ai mis un petit schéma qui représente les déperditions énergétiques d'un bâtiment, alors pas d'une maison, hein, d'un bâtiment. Et on voit sur ce schéma-là que 40% des déperditions énergétiques sont dues aux murs et aux ponts thermiques. Donc c'est sur ce sujet-là c'est ce sujet-là qu'on adresse à travers la proposition de robotisation de l'isolation thermique par l'extérieur. Alors pourquoi on adresse ce sujet-là? C'est qu'aujourd'hui, le secteur de la construction est très peu industrialisé et que du fait que les méthodes sont essentiellement manuelles, la productivité est limitée. Donc là, j'ai mis quelques photos, alors plus ou moins, plusieurs moins grossières, mais c'est ce qu'on peut retrouver sur les chantiers. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement de la main-d'œuvre qui monte dans des échafaudages pour fixer des panneaux d'isolant sur les façades. Il y a un manque de répétabilité et de qualité. Alors, c'est un peu grossier ce que j'ai mis, mais c'est pour montrer qu'en fait, il y a vraiment, c'est que de l'autocontrôle. Il n'y a pas de méthode efficace pour assurer la qualité et la répétabilité des tâches. Il y a des problèmes aussi de stockage de matériaux sur les chantiers, ce qu'on peut voir en haut à droite. Et puis, il y a un gros problème de déchets sur les chantiers, notamment lorsqu'on réisole un bâtiment avec des matériaux qui ont été utilisés et qui doivent être remplacés parce qu'ils ne sont pas durables dans le temps, notamment à cause de l'humidité qui s'imprègne dans ces matériaux-là. Donc, il faut absolument avoir des méthodes automatiques et épouser des méthodes qui sont traditionnellement dans l'industrie manufacturière, où la traçabilité et la qualité ne sont plus un sujet, puisque l'automatisation et le suivi le monitoring des machines permet cela. Donc on a développé une solution innovante pour l'isolation thermique par l'extérieur à base de robotique et d'impression 3D. Et on s'appuie sur des systèmes d'élévation le long des façades, tels que c'est représenté à gauche sur l'image. Donc ce sont des structures à mâts qui viennent se fixer dans les façades et le long desquelles une plateforme élévatrice s'élève de haut en bas pour aujourd'hui permettre le travail manuel des compagnons sur la façade. Donc là, les différents corps de métier peuvent utiliser cette plateforme pour nettoyer les façades, remplacer les huisseries, fixer les panneaux d'isolant. Donc on repart de cette plateforme-là, quoi, de cette structure-là. On laisse la plateforme aujourd'hui puisqu'on ne va pas adresser toutes les tâches de la façade, mais on va rajouter un monorail horizontal sur lequel nous, on va venir fixer notre robot. Alors, je ne sais pas, vous pouvez passer la photo, la slide. Voilà. Alors, bon, on ne voit pas en entier. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ma souris. Est-ce qu'on voit ma souris sur l'écran? Bon, donc le système que vous voyez là, c'est le système que l'on propose, monté sur cette structure à mâts. Donc, on peut voir un des mâts derrière le robot bleu qui est dans une gaine de protection. Donc, ce robot est posé sur un monorail et sur lequel il va pouvoir venir se translater de droite à gauche.
Donc aujourd'hui, nos partenaires et fournisseurs pour réaliser ce premier prototype, donc c'est ABB sur la partie, le deuxième fournisseur. Non, s'il vous plaît, sur la partie. Non, toujours pas. Voilà, sur la partie robotique. Alimac Group, donc c'est notre partenaire qui nous permet d'adapter notre système à sa structure AMA et au monorail. Et on est accompagné par Magma et le groupe Kingspan sur la partie matériaux qu'on va pulvériser directement sur les façades. Nous, notre savoir-faire et notre expertise, c'est vraiment sur la partie procédé, mise en œuvre sur site en fonction du matériau qu'on va projeter. Et bien sûr, le design des buses pour l'efficacité, la propreté et la consommation du matériau sur site. Ouais. Alors, juste avant, voilà. Donc, le système, alors on n'a pas fait petit... Je pense que vous l'avez tous vu sur le site de WeSeed, il y a le petit design motion qu'on avait réalisé pour montrer comment le système fonctionnait globalement. Donc hors site, le système est préparé à partir des données numériques du bâtiment. Donc ces données numériques, soit elles existent au préalable, et c'est ce qu'on appelle le BIM, soit on repart de plans 2D que nous modélisons en 3D, quoi, à partir desquels on peut modéliser les façades en 3D, ou bien on peut aussi partir de scans 3D de l'enveloppe du bâtiment sur lesquels on va revenir reconstruire la façade. Et donc une fois qu'on a ces données numériques, eh bien on va pouvoir préparer les gammes opératoires du système. Que l'on viendra ensuite télécharger dans la baie robotique, hein, de façon grossière, si je peux m'exprimer comme ça, et faire fonctionner le robot sur site à l'aide d'un opérateur qui aura une tablette et qui pourra mettre en œuvre l'ensemble du protocole sur site. Donc, tout ça, ça se passe à travers une plateforme SaaS. Alors aujourd'hui, on est en train de la finaliser pour notamment manager, quoi, gérer le parc machine, pour que chaque client puisse gérer son parc machine de gérer également l'ensemble des projets. Donc gérer l'ensemble des projets, c'est générer à partir d'un projet, on va accompagner dans toute la structuration du BIM, et puis ensuite manager les singularités des façades, préparer les gammes opératoires, estimer les coûts et les temps, les délais sur chantier, et puis les quantités matières nécessaires à la réalisation du projet. Et puis on va commander la matière à travers cette plateforme. Ensuite, sur site, le système est opéré à l'aide d'une tablette. On implémente le process industriel, on garantit la santé matière du matériau projeté sur la façade, et puis en fin de chantier, on va fournir un rapport de bonne exécution des tâches, garantissant la conformité aux travaux, le respect de conformité aux travaux prévus. Et puis bien sûr, on va mettre à jour les données numériques du bâtiment avec les données réelles qui ont été mesurées sur site, notamment les épaisseurs de matière qui ont été projetées, la qualité matière, la référence des matériaux qu'on a utilisés, et puis l'ensemble des réalisations jour par jour, éventuellement s'il y a des modifications par rapport aux travaux prévus initialement sur site, en fonction des aléas de chantier. Donc aujourd'hui, avec notre système, on a réalisé deux démonstrateurs. Le prototype a été installé, donc, alors les deux démonstrateurs tombaient, les plannings se sont interférés, ils se tombaient les mêmes semaines. Donc on a installé le gros système que je vous ai présenté sur un bâtiment en R+4 à Lille, pour le compte de Lille Métropole Habitat, et c'est un projet qui a été réalisé avec Bouygues Construction. Et en parallèle,
On a réalisé la façade avant d'une maison individuelle avec un système plus frugal et plus léger pour le compte d'une société privée qui s'appelle Cimerpod et puis avec un early adopter en région qui s'appelle Isor Bâtiment avec lequel on a réalisé ce démonstrateur. Donc aujourd'hui, les bénéfices de cette solution, c'est grâce à un procédé industriel, on fait des économies. Alors si on ne parle que sur la réalisation d'isolation, aujourd'hui on est à peu près 10% moins cher que les méthodes traditionnelles. On va vers la standardisation et la qualité garantie et on est 4 à 6 fois plus productif sur chantier. Le matériau qu'on utilise est un matériau qui est expansif, donc ça permet d'utiliser moins de quantité de matière. C'est un matériau qui s'expande de 40 fois son volume, donc avec très peu de quantité de matière initiale, on va faire beaucoup de volume. Et puis, du fait de cette expansion, on simplifie aussi énormément la logistique et les transports, puisqu'on va réduire d'un facteur 20 à 60 le nombre de camions qu'il va falloir ramener sur site pour transporter des matériaux isolants. Les outils digitaux et l'automatisation vont permettre de réduire la pénibilité sur site pour les compagnons, de diminuer les déchets de chantier, et puis du fait qu'on réduit les temps, les délais et que c'est un robot qui va exécuter les tâches, on va aussi permettre une meilleure acceptation des travaux de rénovation. Par les habitants, par les occupants. Donc aujourd'hui, notre roadmap sur les prochains 18 mois, donc on est accompagné par un accélérateur industriel pardon, qui s'appelle Axandus, qui va nous permettre de passer du prototype à une version commerciale de notre système. En parallèle, on continue à réaliser des démonstrateurs en environnement réel. Pour continuer à acculturer et à montrer les performances de ce système-là sur site. Donc, on est lauréat d'un programme de Paris Seco qui s'appelle Quartier Métropolitain d'Innovation qui permet de faire de l'expérimentation urbaine. Donc, la ville de Noisy-le-Grand nous accompagne et nous supporte dans la mise en place de notre système sur sa commune. Pour l'isolation d'un bâtiment, donc a priori ce serait des logements avec le bailleur social Toit et Joie. On a également été contacté par le ministère de l'Intérieur pour réaliser l'isolation de bâtiments administratifs d'une caserne militaire sur Clermont-Ferrand. Donc, c'est un programme qui va se réaliser plutôt Q4 2024. Et puis, Bouygues Construction, donc suite à cette première expérimentation, a répondu à un appel d'offres sur la rénovation de l'université de Rennes. Avec une poche réalisée avec notre système. Donc, ça a été accepté et voilà, le maître d'ouvrage a signé là, il y a 2 semaines l'autorisation de réaliser ses travaux en partie avec ce système innovant. Donc, on prévoit les premiers systèmes commercialisables en septembre 2024. Et tout de suite, on commence d'ores et déjà la version 2 qui permettra avec le même robot, en plus de l'isolation, de réaliser la partie coating, donc l'enduisage de façade, avec le même système. Alors bien sûr, la pompe sera différente, mais le système robotique qui évoluera le long des façades sera le même. Et puis, d'ici à l'horizon 2026, mi-2026, on espère avoir notre propre usine d'assemblage. Le business model, il est composé de 3 piliers, donc la vente de machinerie et les services qui vont avec. Donc, ce qu'on appelle service, c'est toute la préparation des programmations, des gammes opératoires robotiques. Et l'accompagnement à la gestion du BIM. Les consommables, donc la vente de matériaux isolants et la vente de matériaux d'enduisage, par exemple. Et puis, bien sûr, la maintenance et la formation.
Les canaux de vente, ce sera soit en premier des canaux de distribution directs vers des entreprises qui font des contractants ou des entreprises de construction qui font de la rénovation. Et également, on va adresser cet outil au réseau d'applicateurs PU qui aujourd'hui font plutôt de l'isolation sous-dalle et qui sont aguerris à l'utilisation de ce matériau et du système de pompage et qui peuvent demain adresser un nouveau marché qui est l'isolation des façades. Et puis de façon indirecte, plutôt à l'horizon 18 mois, d'adresser des compagnies plus petites à travers des compagnies de location de matériel de chantier tel que Kiloutou qui permettra d'adresser des plus petites compagnies qui, elles, auront moins tendance à acheter mais plutôt louer du matériel. Donc sur la partie financement, aujourd'hui, donc au-delà du crowdfunding qu'on fait auprès de vous aujourd'hui, on a lancé donc notre levée de fonds qui s'élève à 4,7 millions d'euros. 1,2 million aujourd'hui sont assurés par l'aide au développement d'ITEC. Donc notre dossier est accepté par BPI pour un financement d'aide au développement d'ITEC pour 1,2 million. Donc aujourd'hui, on cherche auprès d'investisseurs 3,5 millions d'euros pour les 36 prochains mois avec une rentabilité à partir de 2027. Et puis, vous avez à droite donc l'utilisation de ces fonds donc pour le recrutement de l'OPEC, du CAPEX, voilà, des choses assez classiques. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer à la partie questions. Alors, on peut mettre peut-être le petit film hein, qui permet de montrer ce qu'on a pu réaliser donc sur le gros chantier avec Bouygues Construction pour le compte de Lille Métropole Habitat. Donc, on peut essayer de faire un petit montage, je sais pas. Voilà. Donc ça c'est le système monté le long de la façade. Donc c'était une façade expérimentale. Donc pour lequel il y avait un bardage qui allait être mis pour comme façade extérieure. Donc l'ossature du bardage est déjà montée et puis on voit le système qui va progresser le long de la façade. Donc là c'est une vidéo qui est réalisée depuis le bas du système. Donc on voit le robot voilà qui pulvérise l'isolant directement sur la façade. Donc là la façade c'est une façade en brique, hein, ça se passe à Lille. En premier lieu et pour éviter tout bond thermique, on commence à faire l'isolation sous tasseau et on passe soit nécessaire pour que l'épaisseur demandé pour atteindre les performances thermiques du bâtiment estimé par le bureau d'études thermiques soit correct. Donc là, le robot passe plusieurs fois au même endroit, sous tasseau. Et une fois qu'il aura terminé les différentes couches nécessaires, il remplira les parties entre tasseaux. Donc ça, c'est les procédés mis au point en labo. Donc bien sûr, l'enjeu ici, c'était que on garde les tasseaux propres, hein, les barrières coupe-feu là qui sont au-dessus également complètement propres. Et voilà, donc là le robot il commence à remplir entre. Donc voilà, c'est une vidéo maison, c'est pas très stable. Voilà. Donc, lors de ce chantier, on a eu l'honneur d'avoir Édouard Bouygues qui est venu, le directeur de Lille Métropole Habitat qui est venu également sur chantier, nos partenaires Alimag Group. Et puis, bien sûr, on a fait des visites pour montrer, acculturer les personnes du secteur. Et voilà, et bravo à notre équipe sur place et à l'ensemble des bâtis printers qui nous permettent voilà, la réalisation et le développement de cet outil.
Super, ben merci Fanny pour cette présentation. Je vous en prie. Écoutez, on va peut-être passer aux questions. On en a deux, donc d'un même wissideur, qui demande quelle dépendance du système à la météo. Est-ce que c'est comme un chantier classique? Alors, le système en lui-même à la météo, il est plutôt robuste. Hein. Il existe toute une gamme de ce qu'on appelle nous des chaussettes hein, qui vont sur les robots. Voilà, qui ont été développés pour l'industrie manufacturière, pour lesquels, par exemple, dans les chambres de peinture, etc., il y a des exigences particulières. Donc ça, le robot, lui, il n'a pas de souci à être dehors. Mais par contre, la mousse, quoi, le matériau, lui, peut surréagir quand il y a de la pluie. On maîtrise plus son facteur d'expansion. Et donc là, quand il va commencer à pleuvoir un peu trop, on va cesser les travaux. Mais on est en train de travailler à une cartérisation autour de la tête de projection de façon à pouvoir continuer quand il pleut. Mais de toute façon, si la façade est trop trop humide, on n'enferme pas d'humidité sous notre matériau, donc de toute façon, si la paroi la façade du bâtiment est trop mouillée, on arrêtera les travaux comme il se passe aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas enfermer d'humidité sous l'isolant. Très bien. Et pour la deuxième question, le prix escompté de la machine, quel ordre de grandeur, quelle maniabilité, poids? Alors, je ne sais pas si on peut donner des prix. Peut-être en ROI plutôt. Voilà, donc ouais. Aujourd'hui, le ROI avec les prix qu'on estime sont de l'ordre de 2 ans et demi. Donc c'est une machine qui s'amortit sur 2 ans et demi. Très bien. Sa maniabilité. Pardon? En complément, c'était la maniabilité et le poids de la machine. Le poids de la machine, on est à peu près à 100 kilos, 150 kilos. Et la maniabilité, on a développé cette tablette numérique de façon à ce que ce soit le plus simple d'utilisation possible pour un compagnon et qu'il n'ait pas besoin d'avoir fait Bac plus 18 pour l'utiliser. Donc c'était une exigence particulière qu'on avait et aujourd'hui il y a besoin comme tout système hein, on fait une petite formation de 2-3 jours au départ pour bien comprendre comment fonctionne la pompe, pour bien comprendre comment fonctionne le système et pour bien comprendre comment fonctionne l'outil numérique et puis après la formation comprend bien sûr un côté pratique hein, de façon à mettre en œuvre ce système lors de la formation, mais il n'y a pas besoin de compétences particulières pour utiliser le système robotique sur chantier. Très bien, je pense que ça répond à toute la question. Dernière question de Didier qui demande pourquoi vous projetez uniquement d'ici 2026-2027 et non pas avant. On projette quoi, pardon? Alors, non, pourquoi vous projetez sur 2026-2027? J'ai pas très bien compris la question. Je pense que Fanny a présenté les étapes 2024-2025 à court terme hein, dans la roadmap hein, qui sont les 18 prochains mois et ensuite 2026-2027 sont les premières années de commercialisation pleines. Voilà. En année pro forma. Mais d'abord, il faut passer la partie 2024 sur les derniers sites en environnement réel hein, qu'elle a présenté, l'industrialisation du robot, hein, qui est un prototype, et ensuite la deuxième version d'enduit technique en 2025. Et après, parallèlement, bien sûr, commence la commercialisation. C'est bien long, demande Didier Carayon, Fanny. C'est bien long pour la commercialisation. Alors, c'est bien long. Alors, le secteur de la construction, c'est quand même pas un secteur qui est très connu pour l'innovation. Hein. Donc, il y a une période au changement qui est relativement longue. Hein. Qui est longue, bien qu'ils soient habitués à utiliser des outils quand même assez assez conséquents, mais en fait
robotisation est un terme complètement nouveau hein, pour le secteur de la construction. Alors depuis quelques années, on voit des solutions d'impression 3D qui tournent sur les réseaux et ça fait énormément de bien parce que ça permet d'acculturer et de voir des robots sur des chantiers. Il y a de plus en plus de robots et de solutions qui sont proposées, notamment pour faire des tâches. Donc, il y a des robots de perçage, des robots de peinture, des robots pour poncer qui sont voilà qui commencent à venir tout doucement sur le marché. Alors très très souvent, ça reste quand même assez silencieux. Voilà, il y a beaucoup, mais en tout cas, ça fait du bien parce qu'on commence à acculturer de différentes façons avec la robotisation dans le secteur de la construction. Il y a beaucoup moins de solutions qui sont proposées pour le outdoor. Donc là, c'est vraiment très très confidentiel. On est très peu d'acteurs, à part pour l'impression 3D pour la construction. Mais pour le reste des tâches de construction, il y a peu d'offres. Donc il y a vraiment un travail d'acculturation, d'accompagnement. Nos prospects, on les suit, on les accompagne, on les rassure. Mais en effet, ça demande du temps. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite, pour les 18 prochains mois, de continuer à acculturer en faisant des démonstrateurs, en essayant je trouve pas mon mot, de trouver des early adopteurs pour adresser. Alors, c'est des early adopteurs pour nous, pour des clients qui vont acheter les machines, mais c'est aussi des early adopteurs au niveau du maître d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage hein, qu'il faut aussi convaincre. Donc les maîtres d'ouvrage, ça va être les bailleurs, ça va être les copropriétés, ça va être les communes qu'il va falloir aussi acculturer et puis montrer les performances et les système sur leur bâtiment. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut faire changer les mentalités. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais à travers les démonstrateurs, c'est aussi ça voilà qu'on veut accompagner. Et Fanny, j'ajouterais un gros mot à la mode en ce moment qui est la norme, la normalité. Il y a quand même des normes, hein, des certifications, hein, parce qu'on appelle les ATEX, et il y a besoin de passer par ces différentes ATEX et donc ces chantiers en temps réel pour obtenir une certification définitive pour que le produit soit ensuite, on va dire, commercialisé automatiquement. Donc c'est pour ça aussi que ça prend du temps et les normes, on ne peut pas les changer, on est obligé de s'y soumettre. Okay. Question qui arrive, je crois. Ouais, j'étais en train d'écrire. Alors non, on n'est pas en vacances en 2024, hein. On travaille. Oh, juste pendant la période des chantiers au mois d'août où il y avait moins de chantiers, voilà. Alors, concernant Bouygues, alors ils vont nous faire une commande. Là, on est en discussion sur la commande d'une machine. Donc, ils vont commander la machine. Là, on commence. Donc, le bâtiment 3D est passé en comité d'investissement de Bouygues Venture. Donc, on commence la due deal avec eux. Donc, ça avance pour répondre à votre question. Et alors, par contre, sur l'horizon de sortie, si c'est capitalistique concernant les WeSeeders, nous rappelons que le produit qui vous est proposé, c'est un produit obligataire, et donc qui ne donne pas le droit qui immédiatement ne donne pas le droit à des actions. Donc voilà, il n'y a pas de logique de sortie pour les WeSeeders. Après, pour tout investisseur qui rentrera dans Batyprint, c'est des horizons de sortie classiques à 5-7 ans. Ah, une autre question. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, les Wissiders, si vous avez d'autres questions après le live, n'hésitez pas aussi à les poser directement sur la fiche projet
Batiprint sur directement sur le site. Les dirigeants sont là pour vous répondre directement. Écoutez, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Nordine. Ben non, merci pour cette présentation. Merci à vous en tout cas pour cette présentation. Merci aux CIDR aussi d'avoir été présents aux différentes questions qui ont été posées. Sachez que un replay vous sera directement envoyé à la fin de cette présentation. Donc vous pourrez le revoir pour ceux qui n'ont pas pu être présents tout le long et écouter la présentation de Fanny Nordine si besoin. Voilà, donc ça vous sera envoyé par mail. Donc ben, merci à tous pour ce live. Merci. Et puis n'hésitez pas voilà, à nous recontacter via la plateforme aussi si des questions persistent. Merci bien. Merci à vous. Bonne journée.